Les résultats du bac 2018 seront, dans presque toutes les académies, publiés vendredi 6 juillet dans la matinée, mais à des horaires différents. Certaines prévoient également de les afficher dans les lycées avant qu'ils soient consultables sur leur site internet, ou à des heures qui varient selon la filière du baccalauréat, bac général ES, ES ou L, bac technologique et bac professionnel. Nous publions les horaires détaillés par académie, classés par ordre alphabétique, ci-dessous. À savoir, Le Monde Campus organise une journée de direct pour suivre la publication des résultats du bac dans chaque académie, vendredi, avec également deux chats, sur le niveau de l'examen et sur Parcoursup et l'orientation porte-bac. À retrouver sur www.lemonde.fr/bac/obtiendra-t-on ou plutôt les résultats sur place ou sur internet. Les résultats de tous les candidats apparaissent-ils en ligne? Est-il nécessaire que le candidat se rende dans son centre de délibération vendredi 6 juillet? Les réponses à ces questions sont à retrouver dans cet article. Quant aux élèves de première qui ont passé les épreuves anticipées du bac, travaux pratiques encadrés, écrits et oraux du bac français, et pour les ESL, l'épreuve de science, ils trouveront le jour et l'heure de publication de leurs notes ici. Voici les jours et les heures de publication des résultats du bac 2018 dans chaque académie. Académie d'Aix-Marseille, affichage des résultats le 6 juillet à partir de 8h horaire défini par les établissements. Publication en ligne à partir de 10h. Académie d'Amiens, le 6 juillet à 10h. Académie de Besançon, le 6 juillet, à 9h pour le baccalauréat professionnel, 10h pour le baccalauréat général et 11h pour le baccalauréat technologique. Académie de Bordeaux, le 6 juillet à partir de 10h pour toutes les filières. Académie de Caen, le 6 juillet à partir de 10h pour toutes les filières. Académie de Créteil, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie de Dijon, le 6 juillet à 9h pour toutes les filières. Académie de Grenoble, le 6 juillet à 9h pour toutes les filières. Académie de Guadeloupe, le 6 juillet à 8h30 pour toutes les filières. Académie de Guyane, les résultats pour les filières générales et technologiques ont été publiés le 29 juin, retrouvez-les sur le site de l'Académie de Guyane. Ceux du bac professionnel étaient prévus jeudi 5 juillet à 14h. Académie de La Réunion, le 6 juillet à 8h pour le baccalauréat général et technologie, 9h pour le baccalauréat professionnel. Académie de Lille, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie de Limoges, le 6 juillet à 9h pour le bac général et technologique, 10h pour le bac professionnel. Académie de Lyon, le 6 juillet à 8h30 pour toutes les filières. Académie de Martinique, le 6 juillet à 12h pour toutes les filières. Académie de Mayotte, les résultats ont été affichés le 30 juin pour le bac professionnel et le 2 juillet dans l'après-midi pour le bac général et technologie. Ils sont publiés sur le site de l'Académie de Mayotte, ainsi que les notes obtenues, consultables par chaque candidat avec ses identifiants. Académie de Montpellier, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie de Nancy-Metz, affichage le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. En ligne à 9h sur le site de l'académie.académie de Nantes, le 6 juillet à 9h pour toutes les filières. Académie de Nice, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie d'Orléans, le 6 juillet à 8h30 pour le bac général et technologique, à 10h30 pour le bac professionnel.
Académie de Paris, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie de Poitiers, le 6 juillet à 9h pour toutes les filières. Académie de Reims, le 6 juillet à 8h30 pour le bac technologique, à 10h pour le bac général, à 13h pour le bac professionnel. Académie de Rennes, le 6 juillet à 9h pour le bac professionnel, à 10h pour le bac général et technologique. Académie de Rouen, le 6 juillet à 18h30 pour le bac général et technologique, à 10h pour le bac professionnel. Académie de Strasbourg, le 6 juillet à 10h pour le bac général et technologique, à 11h pour le bac professionnel. Académie de Toulouse, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Académie de Versailles, le 6 juillet à 10h pour toutes les filières. Le ministère de l'Éducation nationale nous a signalé ce rendu tardif des résultats, qui est du ressort du rectorat.